Bonjour à tous et bienvenue chez Penclays devant mon aquarium. Une fois n'est pas coutume, c'est lundi. Le lundi, j'évite de me salir parce que je fais l'administratif et les courses comme tout le monde. Donc, je fais cette petite vidéo parce que j'ai terminé le couteau hier, c'était dimanche, mais que voulez-vous, certaines personnes travaillent aussi le dimanche. Et on va parler donc de trempe sélective. Alors, voici donc un pesqueter. Attendez, je pose la boîte. Voici donc un pesqueter minimaliste en érable. Très joli morceau d'érable. Toujours taillé dans un seul bloc, évidemment. C'est sympa. Et donc en acier carbone. La lame en acier carbone avec une trempe sélective en relief. Un mélange entre le brut de forge et le polymiroir avec un peu de ci, un peu de ça. Et surtout des qualités mécaniques exceptionnelles, quoi. Donc l'acier carbonique C100, vous le connaissez sûrement déjà. Puisque si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes amateur de coutellerie. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein, le noir ne s'étalera pas sur votre pain avec votre pâté. Ça ne bougera absolument pas. C'est vraiment la couche supérieure du métal qui est noirci au moment de la trempe et ça demeure après le polissage, quoi. Donc pour votre petit plaisir, vous amateurs de papier bulle qu'on éclate et de petits bouts de papier qu'on coupe avec les bonnes lames, voici le moment de coupe des petits bouts de papier. Ça coupe super bien. Et oui, l'acier carbone, c'est l'acier carbone. Voilà, je comprends tous les puristes qui ne jurent que par l'acier carbone pour ces raisons précises. Après, un petit nettoyage quotidien avec huilage, quelque chose de doux. Et c'est parfait. Donc voilà, très très brut de forge, avec encore les empreintes de martelage et de la trempe sélective. Donc du coup, aussi, un guillochage, j'ai changé un petit peu original. On ne m'a rien demandé, je sais, mais j'avais un épi de blé dans la tête depuis pas mal de temps. Et j'avais vraiment envie de le faire, je trouve que c'est très très joli. Si cette chose veut bien cadrer ailleurs que sur mon visage. Avec les initiales de mon client. Voilà. Donc la trempe sélective de chez Penclays. Voilà. Salut à tous!